On n'a rien pu faire. Une simple bactérie qui a commencé d'abord par détruire l'Asie pour enfin détruire le monde entier. On n'a rien pu faire. Au début inoffensive, voire même bénéfique pour tout habitant, elle a commencé à se propager avant de tuer. Son attaque a été rapide et on n'a jamais trouvé de remède. Une nouvelle bactérie vient d'apparaître qui paraît totalement inoffensive, voire même bénéfique pour le corps de la personne détenant cette maladie qui est apparue en Asie. On pensait tous qu'elle était bénéfique, mais c'était beaucoup trop tard. La maladie commençait à se propager. Ne laissant plus que très peu de personnes avec cette bactérie, tout le monde allait mourir. C'était foutu pour nous. Même si on aurait eu un ordinateur qui nous aurait dit ces mots, on ne l'aurait jamais cru. Même les simples animaux ont été contaminés par cette putain de bactérie. Plus aucun être vivant sur cette carte. Cette putain de bactérie, les seuls points rouges que vous voyez sur cette carte, est la bactérie en train de se propager dans le monde. Plus virulente que l'Ebola, cette bactérie a décidé de nous en faire chier jusqu'au bout. Insomnie. Coma. Tout ce qui paraissait le plus violent, cette bactérie l'avait. Cette bactérie nous a tués de façon violente et aussi lente. Cette bactérie, nous ne lui avons jamais trop. Certains se demanderaient ce qu'on ferait si on n'avait plus qu'un mois à vivre. Même un jour. Nous, on n'avait plus qu'un mois à vivre. La plupart ont décidé d'aller voir leurs proches et de leur dire combien ils les aimaient. Mais il était déjà trop tard. Soit ils étaient déjà mourants dans le coma, soit ils étaient déjà morts. Personne n'y a échappé. Et beaucoup ont regretté. Ont regretté de ne pas pouvoir leur dire au revoir. Mesdames et messieurs, tout le monde autour de moi, c'était la dernière mission. Toutes ces maladies, tous ces symptômes venant d'une même bactérie, le monde se meurt à petit feu à cause d'une seule et unique bactérie. Après ce message, plus aucun signe de vie ne sera sur ce monde. J'aimerais vous dire...